le soleil se lève sur la Loire dansante. Tout le peuple de Nantes, le jeune comme le vieux, saute de joie et avec ferveur chante l'ascension incroyable de son demi-dieu. Voici Jean-Marc Ayrault, l'inconnu de l'équation, déboulé à Matignon en toute discrétion. De longues années de labeur ont fait de lui l'homme que pouvait attendre tout le pays. De longues années de labeur ont fait de lui l'homme que pouvait attendre tout le pays. Fallait voir la tête de Monsieur Fillon lorsqu'il a dû quitter sa jolie maison, mourant d'envie de cracher sur le CNAS qui englura la France fort dans la vase. Mourant d'envie de cracher sur le CNAS qui englura la France fort dans la vase. Tout le monde hurlait dans les rues son allégresse. Jean-Marc Ayrault va nous sortir de la neige. Avec lui on va même sauver la Grèce. La mer qu'elle va se prendre une sacrée pêche. Jean-Marc, président de la République, le chef du gouvernement à l'Élysée. Jean-Marc, président de la République, le chef du gouvernement à l'Élysée. La tribune est parée des dossiers bouclés. Tous les ministres se sont réunis au palais. La feuille de route, c'est le programme de François. À marteler Jean-Marc comme portant sa croix. Jean-Marc, avec le temps, les législatives, a fait son appel du 18 juin jusqu'en Charente. Donnez-moi une majorité large et cohérente pour que le programme de FH vive. Et on a beau dire que tu n'es qu'un pion sur l'échiquier de François, le grand patron, ton poste n'est peut-être qu'un CDD, mais nous on sait, Jean-Marc, que tu es déterminé. La droite pleura, la droite pleura, et nous on criera, et nous on criera. Jean-Marc, président de la République, le chef du gouvernement à l'Élysée. Jean-Marc, président de la République, le chef du gouvernement à l'Élysée. Le soleil se couche sur le fleuve serpentant, les châteaux de la Loire au loin prennent la pose. Monsieur Jean-Marc Ayrault s'endort content. Sa France est de nouveau